J'espère que vous avez passé une super semaine. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce petit point hebdo de notre portefeuille à 10 000 qui va être extrêmement rapide. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, sur cette gestion, on n'a pas vraiment besoin d'agir tous les jours. Et là, c'est juste pour faire un point, pour vous montrer où ce qu'on a rendu. Donc on a mis à jour tout le long de la semaine. On vient de passer en positif avec une valeur de marché actuellement du contrat qui est à 0,33. Et nous avons effectué donc 19%, on fait 19% du trajet jusqu'à l'objectif de la prime à 41,10 $. Donc qui correspond à notre prime totale, hein, 43 $ moins les 1,90 de frais. Et donc voilà, donc on est parti, on est online, on est sur le trait pour l'objectif. Et on va aller tout de suite aller jeter un œil sur TradingView afin de regarder ce qu'a fait le cours cette semaine et vers quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines. Que nous voilà sur TradingView sur INTC, donc Intel en données journalières. Que s'est-il passé de cette semaine? Donc on était dans un range, donc depuis plusieurs semaines. Du coup, je fais bouger le graphique. Donc il y a un range là entre à peu près ce niveau-là et comme ça, là, tac. Et on y est toujours. La DX ici en dessous de 20 nous signifie qu'actuellement il n'y a pas de tendance. Et le RSI ici de même. Donc il y a de fortes chances pour que pour les semaines à venir cette tendance continue, bien que nous soyons ici dans un triangle. Donc ça, c'est que les cours rebondissent sur ce triangle. Et qu'il y ait un breakout à un moment donné, soit à la hausse, soit à la baisse, mais on sera sûrement pas ici, du coup on sera pas loin de l'expiration de notre option, et on verra à ce moment-là. Notre alerte est toujours ici, et donc pour l'instant on est pas mal, hein. Si le prix, là ici, cette courbe bleue, si le prix dépasse la courbe bleue, à moins bien sûr, hein, toujours possible, hein, qu'il y ait un énorme crack sur les marchés et qu'on sorte d'un marché à peu près normal, on devra arriver tranquillement à l'échéance. Il nous reste 3 semaines, hein, l'échéance est au 29 octobre, il nous reste 21 jours, 3 semaines. Et donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire à ce sujet. On est on time, en ligne, et c'est tout. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou sur le groupe Facebook de Strike Team. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !